Bien le bonjour, mi-janvier. Comment, après une petite appréciation biaisée dans le déterrement, comment faire une greffe, voire une autogreffe, quand vous avez un peu pillé les racines de votre arbre? Donc une autogreffe d'une demoiselle, puisque c'est une demoiselle, certains d'entre vous l'ont peut-être reconnue, d'une façon un peu particulière. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, comparativement? Un petit peu particulière, et donc un pommier décoratif. Ouh, merci. Dites Everest. Ouais, il me semble qu'il y a une bosse qui m'a dit une bosse, hein, une bosse de chez Bosse, qu'elle voulait grimper l'Everest. Moi, je veux bien écouter la bosse. Toulou, toulou. Écoutez la bosse. Et quand elle nous dit, qu'elle veut escalader l'Everest. Toulou, toulou. De facto, j'ai rien contre. Ni le fait qu'elle escalade l'Everest, ni que l'Everest soit escaladable. Je me dis, c'est le Sherpa. Le Sherpa qui est pas terrible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Sherpa? L'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Alors de fait, j'ai transplanté, puisque c'est l'époque des transplantations, et en transplantant, vous voyez, comme vous le constatez, il y a eu un souci au niveau de la transplantation. Bon, je vais faire une autogreffe de ce bout de racine qui devait venir sûrement, vous voyez, d'un truc un peu plus grand. Sur cette petite bout de branche qui lui vient du même endroit, et à un moment où, ma foi, il va nous falloir nouer tout ça, ma foi. Donc, nouer tout ça. Je précise, ça doit avoir un nom, ce que j'utilise. Ouais. Exactement, ça s'appelle de l'indutex, d'ailleurs. Si vous voulez savoir exactement quel est ce petit bandage, et j'obtiens avec des résultats qui sont pas trop mauvais. J'espère que vous voyez bien à l'image. L'intérêt
de la chose. Alors ça fait comme un gros bourrelet quand même. Bien avoué, pas s'inquiéter. Alors certains me diront dans le sens d'enroulement. Ouais, dans le sens d'enroulement, c'est très vrai. La goutte d'eau s'écoulant du haut vers le bas. Évidemment, j'ai enroulé à l'envers et ma greffe à l'anglaise, elle est un peu inversée. Bah, pourtant. Sur ce, je vous souhaite une très agréable journée, une bonne continuation et bien du plaisir au jardin.